Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour un petit épisode sur une agriculture biologique. Et donc, du coup, aujourd'hui, eh bien, on est à peu près au même endroit qu'on a arrêté la dernière fois. Oui, j'ai pas lancé le jeu du tout la semaine dernière pour beaucoup de raisons. Le fait que j'ai pas eu le temps, la semaine dernière était chargée. Et ce week-end, j'ai pas réellement joué puisque, comme vous savez, il y avait la Zedlan remportée par Kenny. Je suis assez content d'ailleurs, on y viendra après. Donc j'ai pas lancé le jeu et je vais profiter pendant que la gosse dort avant de me faire couillonner puisque quand elle n'est pas décidée, madame, elle fait pas mal de bordel. Bref, du coup cette semaine, alors c'est prévu, oui non, j'en sais strictement rien, mais c'est prévu normalement qu'il fasse beau à partir de mercredi. Donc faut lever, le relevage ça m'arrangerait. Donc il y a de fortes probabilités que la fin de la semaine soit un petit peu chargée pour moi. Donc pour l'instant je reste sur mon programme de l'habitude, hein, lundi, mercredi, vendredi, samedi pour les lives et une vidéo par jour, mais ça peut changer au dernier moment à partir de normalement lundi et mercredi ça devrait être au pays, c'est bon. Et peut-être ce week-end on verra. Suivant qu'on attaque. On attaque les foins suivant le temps qu'il va faire la semaine prochaine également, puisque s'il fait beau, rien de presse, on va aller tranquillement. S'ils annoncent du mauvais temps à la fin de la semaine, là ce sera un peu plus probable qu'on brune comme des sacoches. Donc on verra. Mais pour l'instant, je reste sur le programme de la semaine qui est donc aujourd'hui farming, ce soir snow, demain je dirais du power wash. Normalement, ça peut changer. Hein. Mercredi. Peut-être du TDF, on verra. Je vais pas refaire de vidéo sur Trader Life, donc le jeu de magasin, tant qu'ils ont pas réglé le problème parce que c'est insupportable. Même Orlin, j'y joue plus parce que ça me saoule. Cette histoire de freeze. Donc peut-être TDF mercredi. Ensuite, mercredi soir, je ne sais pas. Je verrai avec les garçons ce qu'on peut faire. Et puis voilà. Jeudi, je ne sais pas non plus. Enfin, tout le reste de la semaine en termes de vidéos, mis à part dimanche, je prévois pas parce que ça dépend comme j'ai envie et ce que j'ai envie de faire, on verra bien. Et donc, du coup, vendredi, si tout va bien, on fait de la chasse et samedi, Assassin's Creed, tranquillement. Et puis voilà un petit peu pour le programme de la semaine. Voilà un petit peu pour ça. Premier jour, j'ai pas grand chose à. Alors, si, j'ai une anecdote, mais c'est pas nous comme on fait la connerie. Donc, il se trouve que pour l'instant. Alors, j'ai eu plein de choses à faire ce matin, mais rien en même temps. Mon oncle a planté son PC. Du coup, il m'a demandé si je pouvais aller regarder ce que je pouvais faire. Voilà, j'y suis allé. On avait appelé l'assimilateur qui devait venir pour deux vaches, qui n'était pas là quand on avait fini de traire. Et du coup, on a laissé couler. Moi, je suis parti après le PC. Je suis redescendu. Il était toujours pas là. Et on avait l'assureur qui devait venir en fin de matinée, de 11h30 à midi. Et donc, je fais le PC, machin, je redescends, toujours pas d'assimilateur, donc on attend comme des gogoles. J'avais prévu de sortir la faucheuse aujourd'hui pour la graisser, préparer et tout le bordel. Donc du coup, rien du tout. Je dis à mon père, j'ai dit, écoute, descends, l'assureur va venir, moi je vais attendre, tant pis. L'assureur arrive, toujours pas d'assimilateur, donc je descends parce que j'avais un truc à... En fait, je change de boutique pour une assurance habitation parce que le Crédit Agricole, je vous le déconseille, c'est des gros fils d'eux. Et du coup, je vais partir chez l'AXA. Moi, c'est tous les mêmes bandits, mais bon, voilà. Hein. Donc, du coup, je règle les papiers, machin, bidule. On discute un moment, bien sûr, je vais pas le foutre dehors. Hein. On remonte, donc il était déjà midi et quart. L'assimilateur est venu, j'avais deux vaches à inséminer, il en a inséminé qu'une. Donc, déjà que d'habitude, il vient à 9h30, 10h, là, il est arrivé, il était midi. Et en plus de ça, il en a fait qu'une à la place des deux. Donc, j'étais un peu coulé. Donc finalement j'ai pas fait grand chose ce matin, j'ai pas arrêté mais j'ai pas fait grand chose. Ouais ça casse les couilles. Alors c'est plus l'assimilateur qui vient d'habitude puisque il y a des problèmes de santé, donc ça se voit, hein. Quand c'est plus lui c'est autre chose, hein. Ça se passe différemment. Mais bon c'est comme ça. Bref, du coup on en revient à la Zedlan bien sûr. La personne que je suis porté à gagner, donc ça me va très très bien. Alors je supportais pas réellement l'équipe, je supportais Kenny Stream, donc était du coup avec Kalen et Étoile, ils ont gagné, donc tant mieux. Je suis assez satisfait pour lui parce qu'effectivement il avait une malédiction, cet homme, c'est faire top 2.
et dans toutes les compétitions, il fait top 2. Et donc là, il a gagné pour une fois, ça fait bien plaisir. Alors, ça s'est terminé tard, je suis un peu éclaté aujourd'hui, ça s'est terminé, il était 1h20. Encore, on a de la chance qu'ils aient gagné 4-1, parce que s'ils avaient gagné 4-3, on aurait fini à 4h du mat sur du Worms, ça aurait pu être rigolo. Mais ça s'est fini sur Valheim avec une run horrible, des misclics dans tous les sens. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont suivi jusqu'à la fin, mais c'était horrible, dégueulasse. Et du coup, ils se sont emmêlés un peu tous les pinceaux, aussi bien d'un côté que de l'autre, à cause du stress, je suppose. Mais c'était dégueulasse. Dégueulasse. Et du coup, avec Juju, on était derrière le PC en train de dire, mais quel con, machin, bidule, comme si on était à leur place. Mais c'était bien marrant, en tout cas. Bien content que ce soit Kenny qui gagnait. C'était bien cool, encore une nouvelle fois, cette année. Et j'ai envie de dire vivement l'année prochaine. Et puis voilà, alors à la fin il nous a fait une petite vidéo de spoil pour la ZRT Trackmania Cup. Donc ça se fera en équipe de 3 cette année. Je vous avoue que si ça avait été en solo, j'aurais participé. Je l'aurais fait. Pour une fois, je me serais lancé. Mais malheureusement, c'est à 3, donc à 3 c'est un peu plus complexe. Surtout que les deux coéquipiers que j'aurais voulu n'ont pas réellement les heures pour faire ça. Chris n'a pas réellement la patience non plus, tu me diras, mais. Il n'a pas réellement les heures pour s'entraîner, hein, qui non plus, donc chaud. Ça aurait été tout seul, j'aurais tenté un petit coup, parce que ça fait déjà 2-3 ans que je me tâte. Et du coup, voilà, on verra bah, l'année prochaine, malheureusement. Si ça se fait en solo, l'année prochaine, je la tenterai, je pense. Mais voilà, donc il nous a laissé avec une petite vidéo bien sympa. Pour la Trackmania Cup qui sera en 3v3. Donc on verra. Et un petit point aussi là-dessus, par rapport à ce qu'il y a eu hier, enfin hier et avant-hier, il y a eu du farming, en effet, plusieurs fois même. Et j'ai été étonné de la compète parce que moi j'étais resté sur le principe de FS17, c'est-à-dire moissonneuse, presse, remorque et un chargeur. Je croyais que c'était toujours le même truc, parce que je ne me suis pas du tout renseigné sur celui de FS19. Je croyais que c'était toujours le même truc, donc. Au bord d'un champ à presser, enfin à faucher, presser et à placer sur une remorque, mais pas du tout. Donc en fait, le mode ligue, j'ai découvert ce week-end, je ne savais même pas. En fait, j'ai trouvé bien cool. Il n'y a pas l'air d'avoir de bug, puisque effectivement, les bots, soit à l'autoload, soit à rien du tout. Donc c'est soit à la fourche ou soit à l'autoload. Et finalement, c'est un mode qui est quand même pas mal. Qui n'a absolument rien à voir avec le jeu qu'on connaît d'origine, mais le mode est bien cool quand même. Mais c'était bien sympa. Alors pareil, des choses que même si j'ai jamais participé à ce genre de truc, je n'ai jamais lancé. Et il y en a parmi eux qui sont faits un petit peu coacher par des participants de l'e-sport FS19. Il y a certaines décisions dans leur truc que j'ai contesté comme un connard derrière mon PC parce qu'effectivement. Connaissant le jeu d'origine plutôt bien par rapport aux bots, même si depuis un moment j'en ai pas rempilé, hein, étant donné qu'on connaît tous les bugs des bots sur ce farming, il y a quelques décisions que j'ai contestées par rapport à ce qu'ils faisaient, mais c'est vrai que comme l'e-sport FS n'a rien à voir avec le jeu d'origine, c'est peut-être moi qui suis dans mes torts finalement. Et comme j'ai jamais lancé, je peux pas savoir à leur place, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses que. Il y a des choses qu'ils ont fait que j'aurais fait autrement. Personnellement. Mais après, ça pour savoir comment il faut procéder, il faut déjà le faire. Et je ne l'ai pas fait. Donc voilà, moi j'avais mes propres idées, mais il y avait des choses je pense que j'aurais eu tort de faire à ma façon. Mais en tout cas, c'était bien cool ce mode sport FS. Même si, bon, voilà, on va pas se cacher. FS n'est pas réellement un jeu e-sport, mais le mode est cool. Le mode est cool, le mode est cool. Donc cool un petit peu pour ça et pour le reste des jeux, bon voilà. Ouais. J'ai revu du Quake 3, ça m'a rappelé ma jeunesse. Je l'ai connu à sa sortie, j'y ai joué. Je l'ai poncé comme un gros sachot. Alors Quake 3 qui s'appelle plus comme ça maintenant, mais à l'époque il s'appelait Quake 3 Arena. Et ça fait plaisir de l'avoir revu. L'histoire de Valheim, je pensais pas. Alors je savais pas avant le week-end comment ça allait se dérouler. Le principe était sympa aussi. Et puis les autres jeux. Les autres jeux étaient bien cool. Il y avait quand même du niveau. C'était bien sympa. Et pour ceux qui l'ont suivi, ben j'espère que vous avez apprécié. Le prochain, on va pas dire week-end, mais
prochaine fois où je ne streamerai pas un samedi, je crois, si je dis pas de conneries, parce que ça durera pas 3 jours, mais que 2. Il me semble que ce sera en août pour le Game Pass Challenge. Donc pareil, organisé par Zera. Enfin, organisé. Présenté par Zera, organisé par Microsoft. Cette fois-ci. Qu'est-ce que tu dis, du coup? Oh! Présenté par Zera, mais organisé par Microsoft, si je dis pas de conneries. Donc c'est en fait, c'est des jeux du Game Pass. Et ils ont appelé ça le Game Pass Challenge. Et du coup, je sais que ce sera en août. Je l'ai regardé la date en plus comme un connard hier soir. Je me rappelle plus. Attendez, je vais la regarder vite fait. Du coup, remets-moi sur Twitter. Je l'ai vu en plus. Je vais vous dire ça. Le Game Pass Challenge, ce sera le 28 et 29 août. Donc, c'est pas tout de suite, hein, c'est pas demain la veille, mais ce sera le prochain AFK puisque. En ce qui concerne la ZRT Trackmania Cup de cette année, comme j'y participe pas, bon, si je la loupe, c'est pas un drame. Tout ça pour couronner soit Gwen, soit Carl Junior, ou soit Bren, ou enfin voilà, toutes les grosses têtes, ce sera probablement Gwen avec sa team qui gagnera. Donc ouais, il n'y a pas trop de suspense, mais c'est toujours sympa à voir. Et donc du coup voilà, le prochain coup ce sera le 28 et 29 août. Et pareil, des jeux bien cool aussi. J'aurais hâte de voir ça. Toujours un peu nostalgique le lendemain de la compète. Ça me fait toujours bizarre. Moi ça m'a fait bizarre cette nuit. Et ce matin, tu vois, t'es à fond dedans pendant 3 jours et d'un seul coup il n'y a plus rien, zéro catchy. Ça fait toujours bizarre. Mais bah ouais, c'était bien sympa. J'espère que ceux qui ont regardé ont apprécié. Et pour ceux qui auraient loupé, bah, mon foi dommage pour vous. Qui voudraient voir la rediff. Alors je vous conseille d'attendre qu'ils mettent les vidéos en ligne sur YouTube parce qu'il y a de fortes chances qu'ils les mettent sur YouTube. Sinon pour voir les rediffs de live, il faut être abonné à Zara, donc il faut être sub sur Twitch, il faut payer 5 boules en gros pour pouvoir les voir. C'est un meilleur temps d'attendre que les rediffs arrivent sur YouTube. Et du coup ça me donne limite envie de regarder les années précédentes parce que la première édition était en 2018 et c'était 40 1000 boules de cash prize je crois à cette époque-là et c'est Wingo qui avait gagné, Wingover, et il avait gagné sur une banana bomb sur Worms et ils avaient surnommé ça la banana bomb à 40 000 dollars, 40 000 euros pardon, et je crois que c'était la plus intense hein. Mais ça donne limite envie de revoir les années d'avant, moi qui les ai suivis les trois, je m'en rappelle encore, donc j'ai de la mémoire, ça dépend pourquoi, mais pour ça j'en ai quand même. Enfin voilà, je sais plus qui c'est qui m'avait posé la question, alors pareil avec Juju, on en avait déjà parlé de ça. Répondre à ce truc-là, est-ce que tu comptes y participer un jour? C'est possible. J'y ai déjà pensé à plusieurs reprises. Pareil, le truc, c'est que, alors avoir un week-end, c'est encore pas si compliqué que ça, étant donné que mon patron et mon père, il y a moyen. Si ça se fait tout seul, bon, je suis tout seul à me gérer, donc voilà, ça va aller, ça devrait le faire, hein, comme on dit. Le truc, c'est le training. S'entraîner, il faut avoir le temps. Étant donné que je fais des vidéos, des lives, plus mon boulot, il y aurait du training en live, donc c'est pas forcément des jeux que tout le monde affectionnerait. Et si c'est à plusieurs, il faut avoir un mate, un équipier. Et l'équipier, il faut qu'il ait quand même un certain nombre d'heures d'entraînement. Alors, sans y aller pour gagner, hein, tu peux y aller juste pour participer, mais tant qu'à faire, autant faire du mieux possible. Et voilà, il faudra avoir quelqu'un qui s'investit un minimum s'il reste dans la même optique que toi. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué. C'est pareil, ça sera à choisir entre Chris et Maquet. Ça me ferait chier de choisir déjà. Et je sais le nombre d'heures qu'ils peuvent mettre dans un jeu. Et c'est pas réellement. Mis à part si ils font que ça entre chaque pause pendant un mois, ou alors d'un talent naturel, ce serait chaud de leur demander ça, soit à l'un, soit à l'autre. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais ça me tenterait bien d'en faire une un jour. Ouais. Rien que pour y participer, déjà il faut être tiré au sort. Hein, parce que, étant donné que je ne suis pas réellement classé streamer par rapport au nombre de vues que je fais sur Twitch, parce qu'il n'y a que Twitch qui compte. Du coup, il faudrait être tiré au sort et ça, t'as une chance sur je sais pas combien, étant donné qu'il y avait quand même, je sais plus combien, 3000 trios d'inscrits cette année. C'est un peu compliqué. Un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Mais ouais, c'est un truc à tenter un jour aussi.
pareil, mais voilà, ça serait. Voilà, j'irai sans grande conviction, mais au moins s'entraîner, histoire quand même de pas y aller comme si tu étais un touriste. Je trouverais ça irrespectueux par rapport aux autres gens qui pourraient s'inscrire et qui, eux, voudraient y aller sérieusement. Y aller en touriste, je trouverais ça dommage. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Peut-être qu'un jour, on verra. Peut-être, peut-être. Bref, donc voilà, on va fermer la page Jedlan pour cette année. Ça me manque déjà, mais c'était bien sympa. Et j'ai hâte que ça reprenne l'année prochaine, on verra ce. Donc voilà un petit peu pour ça. En ce qui concerne pour nous, j'ai pas réellement de jeu en vue. Peut-être. J'ai plus la date non plus, pareil, donc je veux pas en parler. Il y aura peut-être un plus tard. Hop, j'ai pas tout compris le fonctionnement du jeu non plus, donc on verra, j'en parlerai, je ferai mes petites recherches dessus, histoire de. Mais peut-être un jeu dans les semaines qui suivent, et après, pour l'instant, ce sera un peu moins énervé que ça l'a été depuis le début d'année, parce que depuis le début d'année, on n'a pas arrêté. Hein. On n'a pas arrêté. Donc on verra ce qui nous attend pour la fin d'année. Comme j'ai dit, la fin d'année devrait être un peu plus chargée, donc ça risque d'être un peu plus la course. Sur côté les DLC, des jeux qu'on a actuellement, donc les prochains DLC d'Assassin's Creed, je pense, il y a de fortes chances qu'on aura des DLC de Resident Evil aussi, donc il y a encore ça qui arrivera. J'ai pas les dates, j'ai pas recherché. Mais on aura ça qui reviendra aussi, donc il va y avoir pas mal de bordel pour les prochains mois. Et moi qui me disais encore il n'y a pas si longtemps que ça, on verra la sortie du prochain farming. Bien, j'ai parmi la bâche. Ce qu'on fera si on repart sur du farming à plein cul ou si on reste sur du multi. Encore avec la nouvelle histoire qu'il y a eu il n'y a pas longtemps pour la map à coco, ça me conforte. Et ça me pousse encore plus à faire du multigaming que rester sur farming. Donc je pense qu'on restera comme on est actuellement. Et puis on verra bien. De toute façon, il y a des gens parmi nous qui sont contents de faire des nouvelles découvertes et qui connaissent de nouveaux jeux grâce au fait qu'on a basculé en multigaming. Donc c'est plutôt sympa. Et puis on verra par la suite ce qu'il y aura, hein, tout simplement. Et puis voilà, du coup, on va se laisser là pour aujourd'hui, messieurs dames. On se retrouve ce soir pour du snowrunner. Je sais pas si on aura Maquis, je me rappelle plus c'est quand qui rentre Maquis. On verra bien, de sûr, on sera deux. Peut-être les trois, on verra. Et puis voilà, d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes dans la soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!